Les nouvelles écoles construites à Ilebo, un véritable soutien au système éducatif dans ce coin du Kassai. Et au Kassai oriental voisin, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a donné son avis favorable à une entreprise privée pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lubilandi. Voilà la petite vitrine de 19h ce soir. Madame, messieurs, bienvenue pour les détails. C'est depuis hier que tous les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale ont définitivement fermé les portes sur l'ensemble du pays. Les opérations se sont déroulées normalement dans les provinces du Kwango, Kenge et Congo central. Le point dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé officiellement l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale ce dimanche 23 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. En mission de supervision dans les provinces de Kwango et Kwilu, l'équipe de communication du président Denis Kadima Kazadi a mis le cap sur le bureau de réception et traitement des candidatures de Kenge qui dispose de ses circonscriptions électorales. Au terme de cette opération, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwango, Didas Niaou, a brossé le tableau de son rayon de compétences. Nous avions eu à recevoir au moins plus de 412 dossiers, dont il y a eu au moins 370 hommes et 42 femmes. Donc ce qui signifie qu'il y a eu engouement du début comme à la fin de notre opération ici au niveau de la province du Kwango. Mais la chose étonnante, nous avions constaté qu'aucun indépendant, il n'y avait pas d'indépendant, un grand nombre se retrouve au niveau des regroupements politiques et certains partis politiques qui ont répondu à cet appel. À Massimanimba, ville située à 2h30 de Kenge, l'engouement est également au rendez-vous. On a reçu 48 dépôts des regroupements politiques, des partis politiques. Au total, c'est 166 candidatures, 129 hommes et 37 femmes. Depuis les dépôts, maintenant, il y a quelques dossiers qui sont déjà affichés. Il y a quelques dossiers encore en file d'attente. Si les informaticiens sont en train de travailler, tout se passe bien. Au dernier jour, les partis et regroupements politiques ont tout fait pour mobiliser les leurs et marquer leur présence. Des infrastructures scolaires et sanitaires sortent terre à Ilebo pour soutenir le système éducatif. La sénatrice Victorine Louissi appelle la population à soutenir ses actions et protéger ses infrastructures. Elle a dit lors de son passage dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kassai. Robert Ndaïti, CC. Infrastructures écolières et sanitaires, le territoire d'Ilebo rivalise désormais avec les grandes villes de la République démocratique du Congo grâce à la volonté manifeste de la fille du terroir qui déborde d'initiatives pour sortir sa contrée de la totale pauvreté. La sénatrice Victorine Lessé ne laisse rien de côté pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de reconstruction du pays. Après la construction des écoles modernes à Ilebo, des écoles connectées aux grandes villes du monde, grâce à l'informatisation du groupe scolaire Sainte-Victorine, la fille d'Ilebo, Victorine Lessé, se penche désormais sur la santé de la population de sa contrée avec la construction de l'hôpital Saint-Béni, un hôpital moderne qui va à coup sûr répondre aux nombreux besoins de santé. Ces bijoux a reçu déjà ses deux ambulances bien équipées et médicalisées. Une première dans le territoire d'Ilebo. Toutes ces réalisations sont l'expression d'amour pour son territoire. Pour encourager les jeunes filles à l'auto-prise en charge, la sénatrice Victorine Lucie a équipé avec deux machines à coudre deux centres de formation à Ilebo.
plus que le roulage lui-même. Et ici, les gens respectent. Je pensais que les militaires, c'est pour faire... de la ville. Signalons que ce projet est financé par le gouvernement provincial avec en sa tête le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni et exécuté par la mairie. Autre fait de l'actualité, les membres du gouvernement provincial du Haut-Uele seront à l'école de la gouvernance financière avec l'IGF. L'autorité provinciale a fait cette annonce lors de son retour à Isiro après une mission dans la capitale Kinshasa. National d'Isiro Matari, le décor de l'accueil du gouverneur du Haut-Uele, de retour d'une courte mission officielle à Kinshasa, est planté. Son fils, Christian Pitanga Mangandro, est le membre du comité provincial de sécurité au bas de la passerelle pour un coup de main rassurant. Puis... Et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour en province. Et le tour des ministres provinciaux, membres de son cabinet politique, ainsi que le responsable des services publics provinciaux et autres. Son déplacement de Kinshasa étant diversement commenté, Christophe Bassiananga lève le voile et part des contacts de haut niveau pris avec l'inspection générale des finances dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle. Je suis allé pour que j'obtienne de l'IGF les recommandations que ça avait été écrit. Allait l'être qui avait été malheureusement mal exploité. J'ai vu le monsieur Gilles, il m'a donné une recommandation verbale pour une équipe quelconque qui viendra pour former les membres du gouvernement, nous faire de la restitution par rapport à votre observation qui avait été formulée pédagogiquement, nous mettre à un certain niveau de la gestion de la chose publique. Quant à ce que l'on qualifie de rébellion fiscale créée par la Fédération des entreprises du Congo autour de la perception de la taxe conventionnelle spéciale, l'homme au moral d'acier, Christophe Bassiananga, évite les tirer des ficelles à déchanter car son entité a l'obligation de bien réussir son atterrissage cap vers les élections. Les réflexions ne sont que spéculations. C'est aussi les tirés de ficelles politiques qui pour eux nous sommes au début du mandat alors que nous sommes en train de négocier l'atterrissage. Des fois pour le moment c'est cap vers les élections. Kinshasa ouvre l'œil et le pont pour empêcher toutes les perturbations nécessaires parce que nous avions vécu avec ça tout au long du mandat et jusqu'à aujourd'hui. La voie urbaine de la ville d'ici est en pleine transformation. Le constat a été fait par le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage en visite d'inspection de travaux de la province du Haut-Uele, Nathalie Kabéa. Twitter au chef-lieu de la province du Haut-Uele, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage, OVD, s'est employé à l'inspection de tous les travaux qui exécutent son service dans la ville d'Isiro sur financement tant du fonds NER que du gouvernement provincial. Vena Bouroumé n'est pas resté insensible face à l'ampleur et la qualité d'ouvrage en cours sous la conduite de son représentant en province, ingénieur Simon Mbambo. On est en train de faire le tour des chantiers. Le chantier est financé par les fonds NER et le chantier est financé par le gouvernement provincial. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes surpris de voir l'ampleur des travaux qui sont effectués ici, tant si les plans PER et apports provinciaux. Vraiment une satisfaction et je crois que si on peut continuer comme ça, ça serait une très très grande bonne chose pour notre province.
À la différence d'autres coins du pays, les DGA de l'OVD saluent les efforts du gouverneur Christophe Bassianenanga en agent et finance pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il souhaite la réélection pour la continuité de cet élan de modernisation urbaine. La finalité, c'est de faire un peu les tours, voir que toutes les autres provinces évoluent comme ce que nous venons de voir ici, quoi. Et à la population, d'accompagner l'autorité provinciale quand on voit les œuvres que l'autorité est en train de réaliser en province, et c'est de faire confiance à les représentants. Et quant au président de la République, et en tout cas nous encourageons le président de la République dans ses œuvres et nous lui souhaitons un second mandat pour qu'on puisse terminer les œuvres qu'on a commencées. Après un arrêt de la Cour constitutionnelle, la gouverneure du Tanganyika qui reprend son poste a rejoint Kalemi. D'autres détails dans ce reportage. Gouverneur de la province du Tanganyika a regagné Kalemi, chef-lieu de sa province, ce dimanche 23 juillet 2023, en fin d'après-midi. Au pied d'avion, les membres du comité provincial de sécurité, avec à la tête le vice-gouverneur Ferdinand Massamba wa Massamba et autres chefs de corps. Après le passage en revue des troupes de la police rangées pour ses honneurs, Julie Ngungo-Mayuma est chaleureusement accueillie par les députés provinciaux, les membres de son gouvernement, les chefs de division de l'administration publique, les autorités coutumières, les responsables de partis politiques implantés au Tanganyika, les chefs des confessions religieuses et ceux de mouvements associatifs, membres de la société civile. À l'esplanade de l'aéroport, c'est une marée humaine ornée de toutes les couleurs des partis politiques et associations socioculturelles qui ne jurent encore fidélité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à leur gouverneur, Julie Ngongo-Mayuma. De l'aéroport de Kainda à la place Kisebwe, en passant par le stade omnisport de Kalemi, des foules immenses ont comploté pour une ambiance électrique, signe de l'accueil sans désemparer de l'autorité provinciale qui revient dans ses fonctions après près de 3 mois d'absence. Dans son adresse au public attendu avec soif à Kisebwe, Julie Ngongo-Mayuma ne prône que l'unité, le pardon et la concorde pour un développement participatif de la province du Tanganyika. Fervente disciple de Félix Tshisekedi Tshilombo, Julie Ngungwa a invité toute la population du Tanganyika à réserver dans les tout prochains jours un accueil délirant aux garants de la nation à l'occasion de la 10e conférence des gouverneurs pour laquelle elle a milité pour obtenir l'accord du chef de l'État sur les choix de sa province. C'était en Bandaka, dans la province de l'Équateur. La lutte contre les maladies, le collectif Vision Congo en fait son cheval de bataille. C'est dans ce sens que de nouvelles infrastructures sanitaires modernes seront bientôt construites dans le territoire de Songololo, province du Congo central, pour la prise en charge des malades. Médicaments et autres équipements de soins de santé leur ont été remis. C'est avant que l'initiatrice de ce geste, Malika Bokoubou, organise des formations sur l'entrepreneuriat et la digitalisation sur l'automisation des femmes. Nous en parle. La célébration de la journée internationale de Nelson Mandela, dont les activités datent depuis 2016, que les filles et fils du Songololo au Congo central ont reçu un don composé de médicaments, des équipements sanitaires, mais également un centre de santé en pleine rénovation pour un accès des soins de santé et de qualité. Un geste de solidarité réalisé par le collectif Vision Congo de Mme Malika Mobuku qui s'inscrit dans l'approche sociale de Nelson Mandela, notamment de contribuer significativement à poser des basses valeurs pour un meilleur avenir du peuple et du monde entier en général et des vulnérables en particulier. Une promesse aux mamans comme quoi elle serait introduite dans le monde de la digitalisation et de la technologie par les moyens justement que nous avons aujourd'hui. Et le fait de voir des mamans qui se sont toujours senties oubliées, qui se débattent pour nourrir leurs enfants, pour subvenir aux besoins de leur foyer, avoir reçu cette formation et tous les kits qui ont été distribués aujourd'hui est simplement un sentiment de gratitude qui m'anime. Bien avant cela, plusieurs femmes et hommes affiliés à la vision du collectif Vision Congo avaient bénéficié des différentes formations sur l'entrepreneuriat et sur la digitalisation pour leur autonomisation dans la société.
Les ressortissants de la province du Congo central ont célébré l'excellence pour récompenser quelques autorités qui ont contribué au développement de l'enseignement supérieur universitaire de leur province. La ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou, a remis les diplômes d'honneur aux différentes autorités. Emmanuela Commissaire. Trois ans d'existence de l'Université Congo, les différentes autorités qui ont contribué au développement de l'enseignement supérieur et universitaire au Congo central ont reçu les diplômes d'honneur des mains de la ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou Itambo. En ce jour commémoratif de la nativité de cet alma mater, ce vaillant nom Joseph Kasavubu, dans le souvenir des exploits lutte farouchement contre l'ombre de l'oubli, et encore cité pour donner vie aux valeurs morales, intellectuelles et spirituelles que chacun de nous ici présents doit incarner pour servir dignement notre chère nation. Joseph Kasavubu, ce grand nom est devenu le symbole du combat acharné qui mène vers l'indépendance totale de l'homme. Ce combat pour la liberté, mais aussi l'idéal que doit poursuivre inlassablement ce haut lieu de la connaissance et de la formation de l'être humain. Joseph Kasavubu soit pour chaque étudiant qui quitte ce lieu un repère d'humanisme politique, de leadership, de service, d'orthodoxie dans toute gestion. Une cérémonie qui a connu la participation du gouverneur du Congo central qui a par la suite inauguré le bâtiment administratif de cet alma mater. Guy Bondoundongidi a promis le soutien de son gouvernement à cette université qui non seulement a fait la fierté du Congo central, mais aussi de toute la nation. Autre chose, célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants de la province du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier en présence de la gouvernante de province. Elle a été présidée par la commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, Jean-Ré Famille. Juillet de l'année, la journée internationale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée en décalé ce vendredi à plus de 20 km de Kolwezi dans la province du Lualaba, sur le site touristique de Wansela, que se sont déroulées les activités organisées par le commissariat général en charge des affaires sociales et humanitaires Jean Famille Enfant sous le haut patronage de la gouverneure de province, les membres du gouvernement provincial, les représentants des agences des Nations Unies, les autorités politico-administratives, militaires et policières, les enfants et partenaires ont pris part à la conférence dont le thème était « Justice sociale pour tous, mettre fin à l'exploitation et aux pires formes du travail des enfants ». Les experts des ONG internationales et locales du gouvernement provincial ont exposé sur différentes études menées dans le cadre de lutte contre le travail des enfants au Lualaba. Les statistiques, le travail déjà réalisé dans cette lutte et les propositions pour améliorer sensiblement la politique du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines et dans d'autres secteurs ont été proposées. Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement à faire ce combat à une lutte commune pour protéger nos enfants. La commissaire générale en charge du genre, famille et enfants, Nathalie Lundangando, a vanté la politique mise sur pied par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, en faveur de l'enfant. Son exécution sans faille en Provence par la gouverneure Fifimasuka Saini a été également mise en exergue par la patronne du genre, famille et enfants, devant les partenaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sur l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé à mettre en œuvre un système de suivi et des médiations du travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC s'est également engagé comme partie prenante pour la mise en œuvre effective de l'appel du Durban en faveur de l'élimination du travail des enfants. En partenariat avec l'ONG Parc Congo, le gouvernement provincial du Lualaba a déjà réussi à récupérer plusieurs enfants qui travaillaient dans les mines. Parlons à présent de cette cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif dans l'antenne du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Elle s'est déroulée au quartier Plateau à Kikwit, nous rapporte Grace Maosso, Keren Kakulungu. De Kouilou, Kouango et Maïndombe seront dotés de leur propre antenne du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Voilà qui justifie la cérémonie de la pose de la première pierre du bâtiment administratif du ProADER à Kikwit dans la province de Kouilou. Au nom du chef de l'État, qui est le garant de l'institution, nous a donné le pouvoir de bâtir et de continuer les traces
C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus ici pour mettre cette pierre de la construction des bâtiments de Proader. Financé par la Banque africaine du développement, par le billet du Proader, le coût des travaux de réhabilitation et de construction de cet édifice est d'au moins 110 000 dollars américains. Travaux exécutés par la société Loulou Sarl pour une durée de 6 mois, a fait savoir l'architecte de Loukou. C'est un bâtiment à 6 bureaux et une salle de réunion avec un hall d'entrée, une réception et 3 sanitaires. Oui, par rapport au contrat, nous avons signé le contrat le 29. Dans le contrat, c'est mentionné dans 6 mois. Le 6 mois pour les travaux. Si le bailleur règle à temps le paiement, tout ça, c'est entre 0 à 6 mois, on va libérer le bâtiment. Christian Kabengele, chargé de suivi et évaluation, a représenté l'unité de gestion du Proader à cette cérémonie. Le bénéficiaire de ces bâtiments, le chef d'antenne du Proader qui quitte, Tabala Pascal, a au nom de son équipe adressé sa gratitude à toutes les parties prenantes du Proader. Le Proader est un projet du gouvernement congolais sous tutelle des ministres du développement rural qui a pour objectif promouvoir une économie rurale dynamique et prospère et qui bénéficie du financement de la BAD. Autre chose, après les récentes nominations des mandataires, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, a organisé aujourd'hui la cérémonie de passation de charge. Mireille Ndeke. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, a désormais de nouveaux dirigeants. Après la nomination des différents mandataires par le chef de l'État, la nouvelle équipe a pris possession de ses nouvelles fonctions ce lundi 24 juillet 2023 sous la direction du directeur du cabinet du ministre en charge de l'entrepreneuriat, Christian Douni Asenga. Ezekiel Bidoya Moussumbu, DGAI sortant de l'ANADEC, c'est de son fauteuil à Godefroy Kizaba en Campès, qui sera secondé par son DGA, Mathé Chimbumbu, avec en PCA, Madame Maggie Rouakabouba. ANADEC, c'est une institution stratégique qui est à la disposition du gouvernement de notre pays. Une institution qui met en application la vision de notre chef de l'État. Je vous appelle en tout cas à avoir aussi un esprit entrepreneurial, parce que nous sommes une institution qui est là pour accompagner, encadrer les entrepreneurs. Les DGA y sortant, Ezekiel Bidoya de son côté a reconnu en toute humilité les efforts consentis lors de son mandat pour rejoindre la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, en toute humilité, nous sommes très heureux d'avoir été à la genèse de la création de l'ANADEC, mais également d'avoir dirigé et posé les bases de cette nouvelle structure qui est née des cendres du reste de l'OPEC. Au nouveau mandataire, nous souhaitons un fructueux mandat et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Quant à nous, nous vous rassurons de notre disponibilité pour garantir un avenir radieux à notre institution. Après les dispositions protocolaires observées à l'issue de cette cérémonie des remises-reprises, les DG entrants et son adjoint ont pris respectivement possession de leur bureau. Pour les nouveaux DG de l'ANADEC, l'entrepreneuriat ne doit pas être juste un slogan, mais plutôt un état d'esprit de tout un chacun pour promouvoir le PME congolais. Le travail procure l'abondance, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage signé du Pascal Katanga. L'œuvre encourage l'application des principes dans le travail pour l'émergence et l'épanouissement du Congo. Il a été porté sous le fonds de baptismaux le week-end dernier à Béatrice Hôtel, Rodépanda. Le travail procure de l'abondance, c'est un nouvel ouvrage qui vient garnir les rayons des bibliothèques et maisons de lecture de la RDC. Ce livre, publié par Pascal Katanga Kayinda, contient des principes spirituels, scientifiques, plus pratiques pour l'émergence de la RDC. Ce livre a reçu le baptême avec la bénédiction de l'homme de Dieu James Madi, en présence de plusieurs personnalités politico-religieuses, membres de famille et autres invités de marque réunis à Béatrice Hôtel à Gombe. Selon l'auteur, l'homme est appelé à travailler avec l'accompagnement de la prière pour son épanouissement, car le travail et la prière, deux éléments essentiels qui se complètent dans la vie humaine. Il faut savoir respecter le principe. Chaque chose a son temps. On a essayé de développer une stratégie, comment prier, quelle heure prier, comment travailler, comment commencer un travail lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression
que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qui est hostile à tout, et ils se découragent par rapport à ça. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière, et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait pour toute chose un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Dieu étant le premier travailleur, l'homme créé à son image n'a pas droit à la paresse. Lancement aujourd'hui d'un atelier d'échange d'expérience sur les violences basées sur le genre par le conseiller du ministre du Genre, Famille et Enfants, Lothal Soultani. Ces travaux ont pour objectif de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails avec Mamita Bangoulou. C'est à Soultani, aux têtes de la Gombe, où s'est déroulé l'atelier d'échange d'expérience du projet prévention des réponses holistiques aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC. Le projet a bénéficié de la contribution financière de la Corée à travers son agence de coopération COICA, sans oublier le PNUD UNFPA. Ce projet a comme ambition de soutenir la mise en œuvre de priorités nationales en matière de réduction des inégalités du genre et de lutte contre les violences basées sur le genre. La réalisation de ce projet se limite, dans un premier temps, dans la ville province de Kinshasa, au Kasaï central et Sud Kivu, en attendant de s'élargir au reste d'autres provinces. Le ministère du genre, famille et enfants, par les représentants de la ministre Bailonga Ndi Christophe, est satisfait de ce projet. Nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à conjuguer avec toutes les parties prenantes les efforts dans le but d'arrêter une nouvelle stratégie efficace et coordonnée pour mener à bien ce processus de lutte contre les violences basées sur le genre, tout en mettant le focus sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Le PNUD a livré quelques stratégies pour renforcer la capacité des Congolais, a souligné Mme Sabine Roubaix. Nous avons besoin des présences de tous les acteurs, par exemple de la police, au niveau des CISM, de manière à ce qu'ils constituent la porte d'entrée pour la prise en charge des cas de violences basées sur le genre. Maître Belinda Lutandila Nzuzi, des barreaux de Kinshasa Matete, a défini les contours juridiques de ce projet. Le BKM, le barreau de Kinshasa Matete, par l'entremise du bureau de consultation gratuite et la commission culture et genre, va travailler avec les institutions pour accompagner les victimes des violences basées sur le genre. Il convient de noter déjà la détermination de toutes les parties concernées au niveau national et provincial pour atteindre le résultat attendu pour cette année. De la centrale de Lubilanji au Kasaï oriental, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité du territoire de Katanda a donné un avis favorable à la société Magtiland pour rénover cette centrale hydroélectrique tombée en panne depuis plusieurs mois. Régulation du secteur de l'électricité a donné un avis de conformité à la société Magtiland ce 20 juillet 2023 pour la réhabilitation de la centrale de Lubilanji au Kasaï oriental. Au nom du directeur général de l'ARE, Dr Sandrine Ngalula Mubenga, le DGA Marco Kouyou a remis les documents nécessaires donnant l'aval à Magtiland entre les mains de l'opérateur Serge Mukendi Fonchi, directeur exécutif de cette entreprise qui a signé un contrat avec la minière de Bakwanga Miba pour la réhabilitation de la centrale de Lubilanji. En recevant l'avis de conformité, le patron de Magtiland, d'après Serge Mukendi Fonchi, une fois réhabilitée, la centrale de Lubilanji produira jusqu'à 12 MW alors que la province du Kasaï oriental en ce moment est servie avec seulement 2,8 MW. Notre projet va pouvoir porter la production d'électricité à 12 MW, ce qui va pouvoir donc multiplier par 6 ou par 5 la desserte en énergie, pouvoir donner de l'électricité permanente. Après avoir suivi la procédure de régularisation des documents, Magtiland est enfin prête à commencer les travaux de rénovation de Lubilanji 1. Et concernant la durée de travaux, M. Serge Fonchi affirme que toutes les études sont déjà terminées, le financement est en bouclage et que dans 12 à 15 mois, ils vont réhabiliter complètement la centrale.
Dans la province du Haut-Katanga, le maire de la ville de Lubumbashi a procédé samedi dernier à la saisie et l'évacuation de tous les matériaux de construction se trouvant dans le terrain de football au quartier Golf. Martin Kazembe met en garde les spoliateurs de ce site. Question de désaffecter ou d'espolier le terrain de football du quartier Chamalalé. Plus question d'y construire quoi que ce soit en attendant que ces dossiers soient élucidés par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en pourparlers avec la famille Pijolet. Ainsi en a décidé le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Shula, lors de sa descente sur ces lieux. C'est samedi 22 juillet 2023. Nous nous sommes assignés comme mission de protéger les espaces publics tant que c'est un espace de loisirs qui est consacré pour nos compatriotes. Parce que dans chaque lotissement, il y a toujours un espace qui est réservé pour les loisirs de la population. C'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes effectuer cette descente pour décourager ces mauvaises aventures. L'autorité urbaine a mobilisé les camions et engins de la mairie de Lubumbashi pour évacuer tous les matériaux de construction, les charges de sable, des moellons, des graviers ainsi que des brouettes saisies ont été embarqués et acheminés vite à la mairie de Lubumbashi sous l'œil vigilant du maire. Un motif de satisfaction pour les habitants du quartier Chamalalé et surtout pour les sœurs du centre Saint-Joseph. D'abord, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Nous voyons que le maire de la ville, il est pour la population et nous le soutenons. Et ça nous encourage aussi. Et même quand on a des dossiers, on s'est dit, on peut aller chez le maire de la ville et nous trouverons des solutions. La famille Pijolet, qui prétend être propriétaire de cet espace sportif, a proposé la désorientation de ce terrain vers le quartier Kaboula, entre les lignes haute tension de la SNL, au niveau de la route des contournements. Après avoir constaté le risque permanent d'électrocution, le maire Martin Kazembe Shula a exhorté les jeunes du quartier trouvés sur les lieux en train de jouer à ne plus s'exposer. Et ce communiqué de la régie des eaux, SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que suite aux travaux de réparation de fuite sur la DN 1800 eau brute, son usine traitement d'eau de l'ozone sera en arrêt ce mardi 25 juillet 2023 de 8h jusqu'à la fin de travaux. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations seront observés dans la fourniture d'eau dans des communes et quartiers ci-après. Montfleury, Macampane, Joli Parc, Ozone, Météo Delvaux, Dielo Binza, Upen, Sangemamba et Ngumba Kikusa, Télécom, Malwika, Kimbuala, Don Bosco, Camp Munganga, Mboudi, CPA, Kinsuka Pêcheur, Carigresse, Mimosa et Camp Tchati. La régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Faite à Kinshasa le 24 juillet 2023 pour le directeur provincial de Kinshasa, Matundu Mpaka, directeur de distribution Kinshasa. Et donc c'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Rikinzouzi, Ruba, Akumbo, André Dieka, Rodé Panda et Keren Kakolongo étaient donc nos héros dans l'ombre. Fin de ce journal, on se retrouve très prochainement.